Ok. Bon trade level 1, bon trade level 1. Très 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 greedy, parce que si hook qui ne touche personne et qu'il hook le mur, c'est vraiment fast FF. Hein. Bon après sur le matchup, on est un peu... Oh non, je pense qu'on est fine, faut qu'il hook le mur sur le hook là. Ok parfait, Pyke à miss. Je pense qu'on est assez fine sur le matchup, on va essayer de se concentrer, de faire une game propre. Ok. Hook. Ça va slow. Voilà ce que j'allais dire. Oh la chatte. C'est des malades. Oh j'ai eu Yes, let's go, elle est morte des grippes. Double. Malphite top, ignite TP. Ah bah lui on en a rien à foutre gros. C'est que cette merde. Il s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Gros, il start un Drake. Alors que j'ai reset et qu'on n'a pas de mid prio. Oh, j'avais pas vu. Ok, on a bien pré shot son déplacement. Bien, auto. Je peux plus la punir, je vais sidestep le hook. En fait il aurait fallu que Nautilus se mette vraiment devant. J'avais pas mon level 6 aussi, avec level 6 j'aurais R le hook. Ça aurait été fine, mais je pouvais pas me permettre de prendre le hook, ça aurait diminué trop mon DPS. Il y a Elise. Nice. Et il faut vraiment pas hésiter à profiter des erreurs adverses. Mes mates font n'importe quoi, mais en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que là, je suis tellement descendu en elo, je joue contre des mecs vraiment nuls. Et du coup, non seulement les mecs avec moi sont nuls, mais en fait, c'est comme quand vous jouez à plus bas elo, tu vois. Enfin, comme quand je joue à plus bas elo. C'est juste que bah les mecs avec moi sont nuls, mais du coup, les mecs en face de moi sont nuls aussi, parce qu'au gros, tout le monde est nul. Donc, il faut juste en abuse et espérer pouvoir carry. Ouais, je suis pas trop chaud là. Ah, il est level 6, ok. Je vais pink ici. Ah putain, il m'ignite. My bad. Chier, c'est pas. Ah, fait chier, c'était close ça. J'avais pas de possibilité de la choper anyway, même si j'avais pas eux sur le truc. C'est elle qu'il faut tuer frérot. Allez Harry. Allez Harry, let's go, nice. J'arrive. Nice, on a flash pour rien. On a la... Oh la malphite. J'ai pas besoin de flash si. Ah bah du coup... J'ai pas flash, j'ai pas mis le route, on l'a pas tué, je sais pas si on l'aurait tué autrement. Je vais foncer top. Y'a l'Herald, y'a une wave top aussi à les crash. Je vais crash ça top. Hein. C'est le plus important. On s'en bat les couilles du cheese en vrai. La proba que ça passe par rapport à ce qu'on aurait pu récupérer, j'avoue que je vais l'aider en vrai. Ah oui, il va se crash toute seule. On a 600 gold à prendre sur les rals. Oh, faut vraiment pas traîner. Hein. Non, on a pas les mêmes priorités, je crois. Oh nice, qu'est-ce qu'il fait?
Il est trop con, Pike. Ok. Ok. Let's go. Toute l'équipe adverse vient de se vomir dessus à de multiples reprises. Let's go. Ça joue en 50-50. Oh, c'est... On l'a eu bien joué. On peut fight, je pense. Ok, j'ai un bon zoning. Ok, je vais pas le flash out, ça. Je suis mort anyway. Je pense que mon flash a plus de value que ça et je donne le shotgun à Pike, ce qui est pas si mal. J'aurais pas dû R, je pense, sur le Q spell de Pike, le premier. Ou alors c'était bien, mais il fallait peut-être que je sorte après. Ok, j'arrive. Sur le stack d'Ignite. Je poke un peu, je peux pas vraiment faire plus. On est tous oum. Casse les couilles de me faire forcer mon flash là-dessus, toi. Je sais pas si c'est worse aussi. Hein. Je sais pas si je pense que c'est mieux que je meure, hein. No joke. Hein. Nice, un peu nage, je pense. C'est un peu le greedy play. Le safe play, c'est clairement d'aller Drake. Maintenant, je pense que on peut faire le nash or et que ça. Enfin, forcément, ça a plus de value, mais en solo queue, c'est toujours plus safe de faire les Drake, tu vois. Parce que, en gros, un nash, t'as pas mal de chances de le troll. Tu vois. Un Drake, une fois que tu l'as, tu peux plus le perdre. Donc, c'est surtout. C'est plus ça, ce côté sécuritaire. Alors que là, on fait le nash or, autant on va à un enfer. En plus, c'est toujours plus risqué de faire un nash que d'aller chercher un. Il est mort, lui. D'aller chercher un Drake, donc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se foutent de ma gueule un peu, hein. Le fait de tuer Malphite, c'est pas mal, c'est la seule front lane, c'est la seule réelle menace qu'ils aient en situation de siege. Qu'est-ce qu'il fait Viego? Il fait ses camps. Eh oui, mon salaud. Bah, attention aux petites plumes, hein. En fait, j'ai peur parce que en temps normal, c'est beaucoup mieux de siege. Mais no joke, il y a tellement de randomness dans les moves et tout que... Ok, on va forcer le flash, je pense. Enfin, le flash ulti, je veux dire. Après, il peut ulti, ouais, voilà. Nickel. Ouais, je pense go push un go pressure un peu s'il vous plaît. J'ai une stopwatch, hein. Ah putain, il a eu Tignar. Oh le salopard. Je me suis fait stun par E de Pike tout au bout. On va quand même gagner. On pourra pas en... Oh fais chier. C'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe. La priorité de la notion de prio, genre, c'est. Oh. Ils quittent la base et il y a 10 secondes avant le pop de Kaisa et ils font quoi? Ils s'arrêtent, ils cheese, ils font des drakes, enfin des drakes d'Everest au lieu de faire le drake. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Enfin, juste que Viego fait en vrai majoritairement. Je sais pas. Non, j'ai pas hit. Je fais que je starte le Drake. Je
pas si ça marche, mais nickel. Perd une tête 3000. On attend, je pousse. Que fait Nautilus, je ne sais pas. Et tu si bait, le bait de l'année. Juste un crack, voilà, allez, on s'est dit. Tout ça a été un vaste bait. Une vaste fumisterie. Allez, viens. Viens, le Drake. Tu arrives. À l'aide. Ok, ouais, nice game, guys. Ok, ça FF, let's go. Oh, tchaï, bon, on a gagné, hein. Oh, sa mère, qu'est-ce que c'était dur! Enfin, en fait, c'est même pas. Je sais pas, j'ai pas les mots. En fait, c'est super simple et dur à la fois. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que je... Non, je vois Norari, je pense. C'est pas facile, hein. Pas facile, mais on a quand même récupéré l'LP. Ça joue très très mal. J'espère vite qu'on va gagner des games et ressortir de cet élo des enfers. Voilà, ça peut être un 10 pouces bleus aux abonnés. Et surtout, n'oubliez pas, je pense que le mot important de ça, c'est que si vos mates puent la merde, les adversaires puent la merde aussi. Donc gardez espoir. Voilà. Des bisous à vous, YouTube.